Jacques Généreux, économiste, explique la vision du monde du travail telle qu'elle est enseignée aux étudiants en économie. Quelle vision du monde croyez-vous que sont en train de projeter Macron, Philippe, Pénicaud, etc.? Les ordonnances qui viennent d'être proposées, pas encore effectives, en sont l'illustration. Il faut dire qu'est-ce que la science économique aujourd'hui a à dire sur ces problèmes de management et notamment du travail. Bon. Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, d'abord, dans les manuels de sciences économiques, ce qu'on apprend encore aux étudiants, qui est la doxa, par exemple en matière de marché du travail, eh bien, c'est que l'offre du travail, c'est une courbe croissante à partir de laquelle, qu'on appelle l'offre, chaque individu détermine le nombre d'heures de travail qu'il est disposé à offrir en fonction du salaire horaire. L'idée que pour 99% des salariés, personne ne se pose la question de savoir le nombre d'heures qu'il est disposé à offrir, parce que d'abord, il faut déjà, est-ce que je vais trouver un job? Donc il y a la première catégorie, il y a ceux qui n'en trouvent pas, et ensuite il y a ceux qui peuvent en trouver un, et quand ils peuvent en trouver un, ils ne sont pas en train de tracer une courbe. Bon, alors, si je travaille 10 heures, je veux bien pour salaire, si c'est salaire, c'est ça, je veux bien 18 heures. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, les mecs, c'est les patrons décident des horaires de travail qui les arrangent. Et ils disent au mec, vous voulez bosser, vous voulez pas bosser, vous voulez pas bosser, tirez-vous. Si vous voulez bosser, ben c'est comme ça. Et le salaire, d'ailleurs, c'est pareil, c'est comme ça. Ah oui, bon, c'est encore comme ça que principalement un étudiant va apprendre ce que c'est que le marché du travail. Il y a même des économistes qui nous parlent de la souffrance au travail. Puis on dit, ah, c'est super, il y a des gens qui se sont intéressés au sujet. Non, le problème, c'est que les économistes du mainstream qui s'occupe du sujet, je vais vous dire en deux mots comment ils traitent ça. Vous allez voir, c'est à peine croyable. C'est soit à mourir de rire, soit, je sais pas, faut les flinguer, ou c'est à se taper la tête contre les murs, tellement c'est monstrueux. Il existe en effet des travaux publiés dans des grandes revues anglo-saxonnes, américaines, d'économie ou françaises, qui sont reconnus comme les grandes revues dans lesquelles les économistes bien placés doivent publier pour leur carrière. Eh bien, alors voilà, comment on va expliquer la bonne méthode pour réduire la souffrance au travail et les suicides au travail? Eh bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que selon cette analyse économique, sur toujours marché du travail, etc., le problème, c'est que s'il y a du harcèlement moral des employeurs vis-à-vis des salariés, si on les pousse à la démission, on les fait les emmerde, on les fait chier, on leur impose des trucs impossibles à faire, voilà, pour faire virer, que ne restent finalement que les plus malléables, ceux qui peuvent tenir le choc, et virer les autres, mais qui s'en aillent, soit qui se suicident, soit qui sont remis à la retraite anticipée pour dépression, soit qui démissionnent, eh bien c'est parce que on manque de flexibilité et de liberté au profit des employeurs, et que si les employeurs avaient la liberté totale de licencier du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on mettait en place les fameux projets de flexibilisation du marché du travail, eh bien, ils ne seraient pas obligés de harceler les gens jusqu'à ce suicide ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent, et donc ça ferait réduire les taux de suicide. Évidemment, ils appuient ça, ce beau raisonnement théorique, n'est-ce pas, par un certain nombre d'études empiriques. Alors après, il faudra les regarder, je n'ai pas eu le temps de le faire dans le détail, où ils se débrouillent pour, et en même temps, ça peut être possible, évidemment, pour montrer, finalement, dans des comparaisons internationales, que là où il y a plus de liberté dans le droit du travail, le droit du licenciement, il y a moins de suicides. C'est-à-dire que les types, d'abord ils le pensent et ensuite ils l'écrivent. En plus, c'est publié par des comités de lecture des meilleures revues économiques ou considérées comme telles, et qui disent en fait, on a des patrons capitalistes qui sont des salopards, qui sont disposés à laisser des gens aller jusqu'au suicide, jusqu'à la mort, en raison du traitement qu'on leur inflige. Et donc la solution pour éviter cela, c'est pas de mettre les salopards en prison. La solution pour éviter cela, c'est de laisser aux salopards le moyen d'avoir encore plus de moyens de pression et droits de vie et de mort sociale sur les individus, en leur disant on peut faire ce qu'on veut de vous et de votre job. À ce moment-là, en effet, ils ne seront pas obligés de les pousser au suicide. Les mecs se suicideront une fois qu'ils auront été virés. Mobilisons-nous le 12 septembre à l'appel de la CGT, le 20 septembre à l'appel des syndicats étudiants, le 23 septembre tous à Paris contre le coup d'État social.